Salut zami mouen. Jodi a nan numéro 471 nan rubrique nou an Ma Bible mon trésor n'a rappelé en tant que peuple de Dieu, la joie de Dieu est votre force. Ceci c'est la déclaration des serviteurs mandatés de l'Éternel au peuple d'Israël que nous trouvons dans le livre de Néhémie chapitre 8 le verset 10. Zami mouen. Sou sent ou faible, ou vle failli, ou pa gen force. Youn nan raison yo, c'est parce que ou pa genyen la joie de l'Éternel dans votre vie. Bon rapport direct et étroit pour le peuple de Dieu entre la joie de Dieu dans la vie du peuple et la force spirituelle du peuple. Lè ou manke la joie de Dieu ou manke également la force spirituelle. Contexte, Néhémie, chapitre 8. Après la construction de la muraille de Jérusalem, le sacrificateur et scribe Esdras, debout devant le peuple, a fait la lecture de la loi de l'Éternel. Esdras passait moitié dans la journée à lire et expliquer au peuple de Dieu la loi de l'Éternel. Verset 6 là dit nous, Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen !» Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Différents leaders religieux qui étaient présents, ils ont déclaré ce jour comme étant un jour consacré à l'Éternel. Peuple a été décidé de faire acte de repentance, l'étape coûter la loi de l'Éternel, son Dieu. Et c'est là ça, sacrificateur yo, Esdras et Néhémie te dit peuple là, dans verset 10 là. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Bon, moi ka d'accord ensemble avec ou pas lever non ambiance joyeuse. Ou t'es toujours attristé, affligé, découragé, misérable. Peut-être ou te ka konnen en pile déception dans la vie ou. Mais attendez, parce que ou tande la parole de Dieu, ou décide repenti, converti, le Dieu Tout-Puissant décide changer tristesse ou yo, amertume ou yo, en allégresse, en joie. L'ouvri cœur pour capable recevoir la joie de Dieu. Pour qui ça? Parce que la joie de Dieu est votre force. Chaque monde qui recevra la force de Dieu recevra également de la part de Dieu un package qui gagne là-dedans la force spirituelle, la victoire que Dieu donne, le succès dans la vie, une mentalité de vainqueur. Tendez bien, texte l'a pas dit la joie sera votre force, mais il dit la joie de Dieu, il spécifie seule la joie de Dieu est réellement une force. Si jamais ou t'es faible autrefois et que maintenant ou recevoir la joie de Dieu, c'est pour confesser dans moment ça même, je suis fort, je suis forte. C'est l'Éternel même ou te dit peuple là, ne vous affligez pas. Moi posséder solution qui pourrait tirer de l'affliction, m'a ba ou la joie et leur recevoir la joie de Dieu, ou gon mentalité de vainqueur. Fort. Dans la Bible, la parole de Dieu, bon Dieu identifie à toute bagaille la baye peuple liya. Lorsque Dieu vous donne l'amour, eh bien, il transforme la vie et c'est lui-même même comme amour qui rentre dans le cœur. Lorsque Dieu vous donne la joie, c'est bon Dieu même en tant que l'objet de la joie qui rentre dans votre vie. D'où l'orgue bon Dieu ou pas faible encore ou fort. Lorsque la joie de Dieu, ça veut dire ou gagner avec la force spirituelle et la victoire sur la faiblesse et sur les adversaires. Dans le royaume de Dieu, une onction de joie équivaut à une onction de force. La tristesse dans la vie, c'est une porte pour faiblesse rentrer. Mais la joie de Dieu dans la vie, c'est une source qui fortifie. Un pile mauvais bagay qui arrive dans la vie yon chrétien, les la traverser yon moment de faiblesse spirituelle. Même j'en tout, jodi a,
Bon Dieu dit non. Tout bon bagay yo doit arriver dans la vie ou parce que Dieu vous donne la joie et la joie de Dieu est votre force. Youn nan premier bagay lo fort c'est que ou en position d'autorité. Désormais, soyez en position d'autorité sous toute qualité bagay qui veut dominer la vie ou. Ainsi soit-il. Amen.